la marque a décidé aujourd'hui de se lancer au Maroc. Et donc, c'est le premier d'Afrique pour la marque. Et donc, les produits éco sont des smartphones avec une large gamme. Notre gamme démarre à 599 dirhams et va jusqu'à 1999 dirhams avec des produits très innovants, à l'excellent rapport qualité-prix, avec vraiment des très beaux designs et des produits complets, avec des produits borderless, avec des grands écrans 5.5 et 5.7. Voilà, une gamme très large et qui adresse le plus grand nombre avec des prix extrêmement compétitifs sur le marché marocain. On met aujourd'hui vraiment nos investissements dans nos produits, dans le prix de nos produits, plutôt que faire par exemple des campagnes parfois de communication qui coûtent très cher mais qui intéressent moins de monde. En termes de part de marché, en tout cas l'objectif à 2 ans qu'on s'est fixé, c'est d'être à 10% de part de marché, entre 10 et 15% de part de marché dans les 2 ans. Le plus tôt sera le mieux, on va faire un très gros travail, on a commencé pour atteindre ces objectifs-là. Mais voilà, l'objectif c'est d'être très vite troisième marque, on va dire, au Maroc, dans les 2 ans au grand maximum. Tous nos smartphones sont disponibles au Maroc. On a signé un partenariat avec une grosse société qui gère le SAV dans tout le Maroc. Et donc, quelle que soit la panne qu'il peut y avoir, ça arrive, même si on a des taux très faibles de panne, on gère dans tout le Maroc. On accorde beaucoup d'importance à la satisfaction de nos utilisateurs. Donc, on a tout ce qu'il faut à ce niveau-là. On va lancer donc dans quelques jours, déjà présent sur le site internet qui est en ligne. Ici, une petite équipe de 5 personnes pour commencer. On va dès la semaine prochaine commencer les réseaux de distribution. Assez rapidement, j'imagine qu'on sera présent dans beaucoup de boutiques au Maroc, dans les souks. On va livrer les mêmes produits au Maroc et produits en France. D'ailleurs, les produits qu'on a commencé à faire venir, ils ont transité d'abord par la France parce qu'on n'avait pas prévu un stock marocain au départ. Et demain, ils viendront de la même façon, avec la même exigence, ce sera les mêmes produits sans aucun downsizement de qualité ou autre. Non, ils sont fabriqués en Chine comme la plupart des produits aujourd'hui, mais avec une exigence et des contrôles qualité françaises.